Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Après avoir vu l'émouvant épisode 3 avec Kinga, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse une nouvelle vidéo sur l'univers de The Amazing Digital Circus. J'ai donc cherché de quoi je pourrais bien parler et j'avoue qu'il y a de quoi faire. Ouais, pas mal de choses, vous vous en doutez bien. Cependant, mon choix a fini par s'arrêter sur ce sujet précisément. À un moment donné, dans l'épisode pilote de The Amazing Digital Circus, nous avons pu voir ce logo CEA, qui est clairement l'entreprise derrière le cirque numérique. Certains fans ont théorisé que ces deux lettres avaient une signification particulière. C pour Kane et A pour Abel. Référence évidente à Abel et Caïn, les fils d'Adam et Ève, le premier homme et la première femme. J'imagine que ce n'est pas la première fois que vous entendez parler de cette théorie. En tout cas, oui, c'est très biblique tout ça, je vous l'accorde. Mais il y a pourtant pas mal de références bibliques dans l'univers de The Amazing Digital Circus. Et je vais donc vous faire part de tout ça pour vous faire comprendre que c'est pas sorti de nulle part. Déjà, premièrement, Cain égale Caïn, parce que en anglais, le nom Caïn se prononce Ken. Les abstractions ont plusieurs yeux. Les anges sont également connus pour avoir plusieurs yeux sous leur forme non humaine. Dans l'épisode pilote, la scène du dîner est brièvement tournée en regardant direction les personnages, ce qui ressemble beaucoup à la scène. Dans l'épisode 2, Ken est connu comme Dieu par le royaume des bonbons. Toujours dans le même épisode, les personnages sont également appelés chevaliers envoyés par Dieu, rappelant les croisés qui combattaient soi-disant contre les forces musulmanes au nom de Dieu. Dans l'épisode 3, le monstre se révèle être un ange de Dieu. Pomni et Kinger ont été entraînés en enfer et Pomni s'est faite posséder. Et enfin, Pomni fait référence au cirque lui-même comme étant l'enfer. Et de ce fait, Ken serait le diable. Et à un moment donné dans l'épisode 3, la phrase de Pomni, il veut juste que je souffre, ben c'est destiné à Ken. Le diable, l'enfer, bref. Donc, avec tout ça, toutes ces références bibliques, ce n'est pas déconnant de penser qu'Abel existe. Mais s'il existe un Abel dans l'univers de The Amazing Digital Circus, où est-il? Que lui est-il arrivé? Cain s'est-il débarrassé de lui? Dans la Bible, Caïn a tué Abel, donc nous pouvons penser que c'est aussi le cas dans The Amazing Digital Circus. Cependant, Ghostworth a confirmé que Cain n'est pas maléfique. Même si nous le détestons tous pour ce qu'il a fait à Gumingo dans l'épisode 2, il ne donne vraiment pas l'impression d'être malveillant, hein. Donc, alors peut-être que dans cet univers, c'est Abel qui est maléfique et qu'il est tapi dans l'ombre quelque part, allez savoir. Mais il est aussi tout à fait probable qu'il n'existe pas tout court. Et puis, si l'un des personnages de The Amazing Digital Circus pourrait représenter Abel, ça serait Bubble. Quand on prononce le nom Abel en anglais, ça donne Hebel et ça se rapproche de Bubble. Donc bon, c'est juste ce que j'ai remarqué, allez savoir si c'est le cas. Mais dans ce cas, qu'est-ce que signifierait CEA alors? J'espère qu'on aura la réponse dans le futur, les amis. Selon moi, c'est même une obligation. Donc, est-ce que Abel pourrait exister dans l'univers de The Amazing Digital Circus? Personnellement, c'est une possibilité à ne pas exclure. Il est probable que tout ça soit faux, qu'il n'existe pas, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour entièrement enterrer cette théorie.
Cela reste une affaire à suivre. Et j'espère qu'on en saura plus dans les épisodes à venir. En tout cas, le lore de The Amazing Digital Circus est très intéressant et les références bibliques sont là. Donc, ces deux lettres C et A, très clairement, c'est compliqué pour moi de penser à autre chose, étant donné que j'adore tout ce qui concerne la mythologie, la Bible et compagnie. Pourtant, croyez bien que je ne crois en aucun dieu, je le dis très clairement. Mais tout ceci me passionne pour pas mal de choses, pour théoriser sur des films, des séries et compagnie. Je l'ai fait aussi avec Asbin Hotel. J'avais également parlé d'Abel et Caïn, d'ailleurs, concernant la possibilité qu'il pourrait avoir dans le futur un rôle dans la série. Mais bon, voilà, je pense que c'est quand même pas déconnant d'imaginer qu'il existe un Abel dans l'univers de The Amazing Digital Circus. Et qu'il est peut-être maléfique, qu'il a existé et qu'il n'existe plus. Mais de toute façon, le fait que Ghostworth ait dit que Ken était malgré tout pas malveillant, ben ça fait réfléchir en mode, bon, d'accord, il n'est pas malveillant, mais est-ce qu'il aurait stoppé d'une manière ou d'une autre un Abel complètement fou? Qui sait? C'est très probable. Donc à l'entreprise qui est derrière le cirque numérique est très intéressante pour le coup. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Kinger faisait partie de cette équipe, par rapport à une phrase qu'il a notamment dite dans l'épisode 3, même si ça, en vrai, je pense que les gens s'en doutaient déjà avant la sortie de l'épisode 3. Enfin bon, voilà. Toujours est-il qu'il y a des tas de questions en suspens dans cet univers, et franchement, c'est vraiment cool, ça a de quoi théoriser, et moi, vous savez, j'adore théoriser, j'adore le lore, j'adore tout ça. Et tant que moi j'ai matière pour théoriser, ça me va, après tout c'est le but de cette chaîne. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me donnant vos retours sur cette théorie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que Abel existe dans The Amazing Digital Circus ou non? Alors dans ce cas, que signifie ce logo? N'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires et éventuellement me proposer des idées de théories sur cet univers. Évidemment, plus j'ai de théories, mieux c'est. Donc, en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Bye-bye!